Ce vendredi 27 janvier, les Monégasques célèbrent les festivités de la Sainte Dévote. Le prince Albert, testé positif à la Covid-19, a manqué la majeure partie des festivités. Nonobstant son isolement, le monarque a tout de même fait une brève apparition au balcon du palais princier. Masqué, il a salué la foule en compagnie de sa femme, la princesse Charlène, et de ses jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella. Plus tôt dans la journée, la princesse Charlène avait assisté seule à la traditionnelle messe pontificale de la Sainte Dévote. La veille, l'ancienne nageuse et ses deux enfants avaient donné le coup d'envoi des festivités. En effet, conformément à la tradition, ils avaient enflammé la barque de Sainte Dévote sur le port de la Principauté. Malheureusement souffrant, le prince Albert manquait à l'appel. Supérieur à supérieur à Albert de Monaco et Camille Gottlieb, premier supporter de Louis Ducruet pour un match de football caritatif, absolument aucune inquiétude ce mardi 24 janvier, le palais faisait savoir que le prince Albert était positif à la Covid-19. Asymptomatique, son état de santé n'inspire absolument aucune inquiétude, avait rassuré la couronne. Pendant sa convalescence, le monarque demeure en liaison permanente avec les membres de son cabinet, de son gouvernement ainsi qu'avec ses proches collaborateurs. Le souverain a déjà contracté la maladie à deux autres reprises, en mars 2020 et en avril 2022. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, SC Pool, Corby Contributeurs.